Wow, voilà. Ça, c'est mon nouveau banderole. Mon nouveau banderole qui est méga, méga grande. Voilà. Et fait à peu près. Voilà. Il fait tout ça. Il fait tout mon salon. Mon couloir. Mon couloir, il fait 10 mètres. Donc, pour le grand carnaval à Agen, avec tous ces mamans, papas, joyeux, heureux. Voilà, donc je mets le bandeau sur la façade. Et je veux dire les quatre vérités. Hein, les quatre vérités, les choses qui me gênent. Voilà, les choses qui me gênent, quoi. Donc, la justice ne fait rien. Donc, je suis obligé de le faire remarquer. Je téléphone à le procureur. Moi, bon, il me dit, nous, on pourrait me faire Monsieur Baïeuse, voilà, c'est comme ça. Vous portez plainte. Bon, moi, j'ai porté plainte à plusieurs reprises contre lui, carrément. Hein. Lui, c'est le chef brigadier de police à Agen. Là, cet monsieur, il est malade depuis 12 ans. Malade, mais il va aux salles de sport, il fait du cheval, il occupe pas du tout de mon fils. C'est des choses que je voulais pas utiliser. Et. Je vais utiliser, de toute façon, parce que c'est la vérité. Donc, tout ça, je vais noter sur ma façade. Hein. Donc, mes plaintes que j'ai posées, toutes mes plaintes classées. Classées, hein. Pas de nouvelles de mes plaintes. Et voilà, parce que lui, c'est un policier, c'est un chef de la brigade à Agen. Donc, ça passera pas pour moi. Police, pas police. Et c'est la même loi pour tout le monde, quoi. Et lui aussi, voilà. Donc, on va remarquer tout ça, et puis j'espère le plus de plus, ou quelqu'un fait quelque chose, quoi, parce que j'en ai ras le cul. Allez, donc, j'ai mis ça sur mon façade et c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Il y en a, les gens sur Internet, qui non, il ne faut pas réagir comme ça. Mais je n'avais fait toutes les possibilités, réagir correctement, faire comme si, là, là, mais il n'y a rien qui bouge. Les services sociaux, rien. Rien, y a rien, y a rien, y a rien. Que tu payes ton pension et tu fermes ta gueule. Mais non, je paye le pension, mais je ferme pas ma gueule. C'est tout. Au revoir. Et pour le carnaval, du 8 au 10 à Agen, viens voir le tour Victor Hugo.